Salut tout le monde, c'est Trimano et on est parti aujourd'hui pour le bras de fer de la semaine. Bras de fer de la semaine, c'est qui le patron? Et cette fois-ci, nous sommes pas uniquement en un contre un durant ce bras de fer, les boss de Naxxramas et de la montagne de Roche-Noire, les deux aventures d'Orston, se rajoutent à la partie en nous prêtant leur pouvoir héroïque. Oui, car cette fois-ci, nous jouerons avec le pouvoir héroïque des boss, donc des instances que j'ai citées juste avant. Donc, on peut avoir deux tout. On va bien voir, on va les découvrir, mais qui sont aléatoires à chaque fois. Donc, pour ce faire, j'ai pris un deck mage Atisflamme des plus communs, hein, comme d'habitude. J'ai juste mis deux jets de sorts en plus dans le deck, à la place d'une entité miroir et d'une image miroir. Donc, on va bien voir ce que ça donne. On va essayer de gagner. Hop, donc, à la recherche d'un adversaire. C'est parti, avec des pouvoirs héroïques qui changent du coup. Hop, alors qu'est-ce que ça va donner? Et déjà, quel genre d'adversaire nous allons avoir? Alors, ta-ta-ta, petite roulette. Et adversaire convenable, comme d'habitude. Et on est contre un mage qui s'appelle Breach. Breach. Pas trop prononcer. Alors. Donc là, pour le début de partie, ce qu'on veut avoir dans la main contre un mage. On aimerait un contre-sort. Et nos sorts et nos créatures qui coûtent pas beaucoup de mana. On n'a pas spécialement envie d'avoir l'image miroir. Le Wyrm, bof, ça peut faire utiliser un éclair de givre. Ce qu'on veut, c'est plutôt l'apprenti sorcier, portail instable, intelligence. On veut énormément piocher contre un mage pour avoir nos cartes avant que lui ne les ait. Ce qui joue Mecha, Atisflamme ou Mage Freeze. Dans tous les cas, on veut ces cartes-là. Du coup, je vais enlever le Drakazur et je vais garder l'intelligence des arcanes et le portail instable. Du coup, j'ai un Atisflamme avec et les boss qui sont là et qui nous donnent leur pouvoir héroïque. Pour mon ennemi, ce sera Moisson. Il pioche une carte et il gagne un cristal de mana. Donc cela pour 2 de mana. Et moi, c'est ouvrir les portes. Donc j'invoque 3 dragonnets 1-1. Et sachant qu'à chaque fois qu'on utilise un pouvoir héroïque, il change. Ça devient un pouvoir héroïque totalement différent d'un autre boss, du coup, de Naxxramas ou de la montagne Roche Noire. On peut utiliser le pouvoir héroïque plusieurs fois par tour. Hop, donc là il me joue l'apprenti sorcier. Du coup je vais pouvoir trade son apprenti sorcier le prochain tour avec deux de mes dragonnets. Sauf s'il clean mon board. Avec par exemple projectile des arcanes, ce qui serait assez embêtant, ou explosion des arcanes. Mais je doute que beaucoup de mages le jouent. Très bien, donc portail. Hein, ça. Et là, vous avez vu, j'ai 6 ans de pouvoir héroïque et j'ai eu de nouveau le même. Hein. J'ai eu ouvrir les portes. Bien, donc il a match du Kirin Tor avec son portail instable. J'espère qu'il n'a pas de secret dans la main. Bah, évidemment, j'ai énormément de chance sur ce jeu. Donc, il avait un secret. Hein. Comme d'habitude. Alors. Du coup, là, on va trade deux de nos wagonnets dans le. Dans l'apprenti sorcier, c'est une effigie qui lui donne le guerrier Murloc charge de 1. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a 3 de mana, on a envie de piocher, mais on a aussi envie d'éclair de givre. Ça nous embête vraiment qu'il ait eu un secret dans la main et qu'il récupère le mage du Kirin Tor, le portail instable. Il y en a qui ont un peu de chance dans le jeu. Heureusement, ce n'est pas trop mon cas. Du coup, on va mettre 1 dans la 2-1. Et on va éclair de givre la 4-3. Là, on garde le canon lance-flamme pour le Wyrm s'il ne joue pas de créature. Là, ce que j'espère qu'il fasse, c'est juste pouvoir héroïque passe. Ce serait le mieux, j'imagine qu'il ne va pas faire ça. Bon, ok, il pioche, il ne pose plus qu'une 3, mais je lui rase son board avec le canon lance-flamme. Et je vais mettre en plus 3 dragonnets. Et en fait, peut-être que je ne vais pas faire ça. Non, du coup, vu que là je viens de piocher mon apprenti sorcier, je vais canon lance-flamme comme de givre, mais je vais poser l'apprenti sorcier. Je change de play, parce que si on regarde ma main, j'ai les. Prochain tour, j'ai 5 de mana. Et dans ma main, j'ai l'atisflamme et un sort à 1. Ça veut dire que si je pioche un autre sort à 1 ou un sort à 2 et que mon apprenti sorcier reste en vie,
je peux faire énormément de dégâts avec mon Atis Flamme. Très bien, donc lui joue son Atis Flamme. Alors ça, c'est la situation parfaite. Je viens de piocher un canon lance-flamme. Du coup, je vais pouvoir faire 4 points de dégâts avec mon Atis Flamme. Ce qui est assez énorme en tour 5. Hop. Du coup là, on joue Atis Flamme. On joue le plein canon. Pourquoi on le joue avant le portail instable? Parce que là, comme ça, on est sûr de tuer son Atis Flamme avec. Et du coup, que les missiles envoyés par l'Atis Flamme ne touchent pas l'Atis Flamme. Du coup, ça veut dire qu'on ne va pas perdre de dégâts par rapport au... à si on avait joué le portail instable avant. Parce que si on l'avait joué avant, notre Atis Flamme aurait pu, par exemple, toucher 1 ou 2 sur l'Atis Flamme adverse. Et du coup, on aurait joué quand même le Flame Cannon après. Et on aurait perdu 2 de dégâts face. C'est pour ça qu'on les joue dans cet ordre. Hop. Du coup, voilà, les 2 dégâts qui vont face. Je joue le portail instable. Un point grossier, j'ai pas de raison de le jouer, surtout que mon apprenti sorcier peut encore attaquer. Du coup, je lui inflige 5 points de dégâts et je fais du board. Le board, donc très important, s'il a rien pour me le gérer, là je suis vraiment bien parce que le tour d'après, je peux piocher ce qui va me refaire une main parce qu'il me restait que 2 cartes dans la main et j'ai une boule de feu. Donc là, il pioche, son pouvoir héroïque va changer. Donc son pouvoir héroïque qui devient Full Mocus, qui invoque une 1 avec provocation. C'est pas le pouvoir héroïque le plus violent, hein. On peut le trade gratuitement avec un sergent grossier ou des projectiles des arcanes. Donc là il éclaire de gif mon apprenti sorcier. Il a pas envie que je joue encore trop de sorts derrière ce que je viens de lui faire. Donc là on va jouer l'intelligence des arcanes. Oh, ça c'est vraiment très bien ce que je viens de piocher. Et par contre, mon Atis Flamme qui fait pas le travail sur le coup, vu qu'il tape 2 fois dans la tête, alors que j'aurais bien voulu qu'il tape 2 fois dans l'apprenti sorcier, mais pas une fois. Parce que s'il avait tapé une fois, ça m'aurait pas arrangé. J'aurais eu 50% de réussite avec le contre-sort, donc je n'étais pas assuré de tuer l'apprenti sorcier directement avec. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais trade la 3-2 avec mon sergent grossier. Je vais aller dans la tête pour Atis Flamme. Et là, plusieurs plays. Soit je joue l'Atis Flamme et je me rends vulnérable assez fortement au Flame Strike, vu qu'on arrive sur son tour 7. Donc Flame Strike, choc de flamme, qui fait 4 points de dégâts à tout le board. Du coup, qui tue mes deux Atis Flamme qui sont à la base de mon deck quand même. Soit je joue contre-sort parce que je me dis il va utiliser un sort, vu que mon Atis Flamme il est déjà depuis 2 tours sur le terrain, donc je vais le protéger. Et c'est ce que je vais faire. Je lui fais 2 points de dégâts dans la tête. Donc là, mon Atis Flamme est protégé. J'imagine qu'il aurait pu boule de feu mon Atis Flamme ici. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Il aurait pu Flame Canon aussi, mon Atis Flamme. Donc là, comme vous l'avez dit, je vous avais dit, il aurait pu boule de feu mon Atis Flamme, ce qu'il a fait. Et j'ai joué le contre-sort pour l'en empêcher. Donc là, le contre-sort qui vient, je pense, de me faire gagner la partie. Espérons-le en tout cas. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, je peux jouer Bolzi. Ce que je peux faire, je pourrais Atis Flamme, boule de feu sur Atis Flamme et lui mettre 4 points de dégâts face. Il serait à 11, moins 2 parce que j'attaquerai avec mon Atis Flamme derrière. Du coup, il serait à 9. Ça, c'est le play le plus safe. Et je peux jouer Bolzi en faisant Atis Flamme, apprenti du sorcier, intelligence des arcanes et espérer piocher un de mes 3 sorts qui coûte 1 de mana sur 18 cartes. Du coup, une chance sur 6 pour tuer son Atis Flamme. Du coup, pour avoir 8 missiles avec mes 2 Atis Flamme qui seront déjà sur le terrain. Comme ça, je développe un gros board, mais je joue sur la chance. Du coup, je suis quand même moins fan de ce play parce que éviter au maximum sur Hearthstone de jouer avec la chance. Faut jouer toujours les plays les plus safe. Parce que souvent, quand on joue avec la chance, on est souvent déçu sur Hearthstone. Donc on joue safe, on joue le deuxième Atis Flamme, et on boule de feu le sien. Là, on joue pas trop autour du Flame Strike, parce que derrière, on a Apprenti Sorcier et Intelligence des Arcanes, donc on a de la pioche, et du coup, on peut piocher la deuxième boule de feu, on peut piocher... On peut piocher l'éclair de givre, voilà exactement ce que je vous disais. Donc là, on le pioche. Donc là, on joue l'apprenti du sorcier. On veut juste voir si c'est une entité miroir. Ce n'en est pas une. On va dans la tête. Ok, c'est une barrière de glace. Du coup, le mage joue un espèce de deck mage freeze assez bizarre. Je sais absolument pas ce que c'est.
Et du coup, là, on a deux sorts dans la main qui sont réduits grâce à l'apprenti du sorcier, et on a deux Atisflammes sur le terrain. Du coup, là, on va jouer nos deux sorts pour 3 de mana, ce qui va faire 8 missiles pour nos Atisflammes, ce qui est vraiment énorme. Vous allez voir. Ah, et peut-être qu'on peut essayer de gratter un létal. Ouais, d'accord. Bon, bah là, on a l'étal. Hop, grâce aux Atisflammes et au sort que je viens de piocher. Donc voilà. Bon, allez, on va BM un petit peu aux projectiles des arcanes. Ah, bah, les projectiles qui vont le tuer, les projectiles des Atisflammes. Voilà, c'est la mort pour notre adversaire. On a passé la brèche. Les joueurs de Diablo 3 peuvent comprendre. Voilà, petite victoire dans ce bras de fer. Ça nous donne notre petit booster cadeau. Et voilà, du coup, voilà, le deck assez facile pour passer le bras de fer. Donc voilà, c'était Trimano pour Evasun Studio et suivez-nous sur Twitter, sur YouTube, sur Steam et sur Facebook. Tous les liens sont dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus, ça ne coûte rien. Et du coup, moi je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos sur Hearthstone. We'll be right back.